Okay. Donc, je vais vous faire le cours sur le système cardiovasculaire, qui est un cours d'environ 3-4 heures, et qui est séparé en deux parties. Et nous allons voir pourquoi il est séparé en deux parties. Et nous allons commencer par une courte introduction sur le pourquoi de ce système cardiovasculaire. Alors, pour qu'il y ait vie cellulaire, il y a nécessité d'apporter des éléments nécessaires au métabolisme cellulaire. Ces éléments nécessaires au métabolisme cellulaire, c'est des éléments énergétiques, en particulier de l'oxygène qui permettra de produire de l'ATP. Ce sont des éléments unitaires tels que les acides aminés, tels que les lipides, tels que les glucides, en particulier les sucres. Et donc, ça nécessite des échanges. Ce métabolisme nécessite des échanges entre l'élément cellulaire et le milieu extérieur. Lorsque l'on est en présence d'êtres unicellulaires, les bactéries, ces échanges peuvent se faire directement à travers la membrane plasmique. Et donc, à tout moment, des molécules peuvent entrer ou sortir de la cellule en ayant des échanges via la membrane de la cellule, ce qui est représenté par ces flèches rouges. Dans ce cadre-là, on n'a bien sûr pas besoin d'un système de transport des molécules et des produits du catabolisme. Lorsque l'on est en présence d'un système pluricellulaire, on va avoir un problème d'échange entre les cellules et le milieu extérieur. Seules les cellules à la surface vont être en contact avec le milieu extérieur et vont pouvoir échanger avec le milieu extérieur. Du coup, les cellules en profondeur ne vont pas bénéficier des éléments nécessaires à son métabolisme de façon suffisante. En effet, si on regarde ce modèle ici, les éléments vont diffuser au niveau des premières cellules et pour que les cellules du centre puissent avoir à disposition les éléments nécessaires à son métabolisme cellulaire, il faut qu'il y ait diffusion des substances à travers les cellules, ce qui est peu efficace. Donc, dès que l'on a un système pluricellulaire et dès que l'on a un système pluriorgane, donc avec une complexité, il va falloir qu'il y ait un système circulatoire. D'où la nécessité, dès lors, d'avoir un système cardiovasculaire. Alors pourquoi un système cardiovasculaire? Vasculaire, tout d'abord, pour servir de transport. Ce système vasculaire va permettre le transport de molécules nécessaires au métabolisme cellulaire. C'est ce qui est ici en rouge, par exemple l'oxygène, qui va être utilisé pour produire de l'énergie. Mais ce système vasculaire, il va permettre également d'éliminer les produits du catabolisme qui résultent du métabolisme. L'exemple typique qui est décrit ici, c'est le CO2. D'accord? Lorsque l'on a respiration cellulaire pour produire de l'ATP, on a besoin d'oxygène, donc il faut qu'il y ait de l'oxygène qui soit porté. On va produire du CO2, et ce CO2, il faut qu'il soit éliminé. Eh bien, ça va être le cas pour de nombreux autres métabolites. Donc, il nous faut un système circulatoire pour amener et éliminer certains éléments nécessaires au métabolisme. Ce système circulatoire, eh bien, il a besoin d'un moteur. Et ce moteur, ça va être une pompe qui est schématisée ici. Et dans le système circulatoire sanguin, la pompe, c'est le cœur. D'où le terme cardiovasculaire. La pompe va propulser le sang dans ce système circulatoire pour optimiser les échanges.
Alors, si on a une pompe et un système circulatoire, ça sous-entend qu'on va avoir une partie du système circulatoire qui va être distributeur à partir du cœur. On verra que c'est le système artériel. Et on va avoir une partie du système circulatoire qui va correspondre au retour vers la pompe. On verra que c'est le système veineux. Mais le but même de ce système circulatoire, c'est de permettre des échanges. Et donc, on va avoir des surfaces, des interfaces d'échange. Ces interfaces d'échange vont correspondre aux capillaires. C'est au niveau de ces surfaces d'échange qu'on va avoir acquisition de métabolites et élimination de produits du catabolisme. Ces surfaces d'échange vont également permettre de mettre en relation des systèmes cellulaires, ici par exemple le muscle, avec le milieu extérieur, ici au niveau des poumons, où on va avoir des échanges gazeux. Donc, on voit que notre système cardiovasculaire, il comprend une pompe et un système circulatoire. Et donc, on va considérer séparément ces deux systèmes. Donc là, vous avez le plan du coup qui sera à peu près respecté. Sinon, je me ferai gronder. Et donc, on va d'abord commencer par grand 1, évolution du système cardiaque. Et dans cette évolution du système cardiaque, on va rester très succinct puisqu'on n'a plus du tout le temps de considérer cette évolution du système cardiaque. Alors, si on considère le système cardiaque au niveau de l'évolution des animaux, on va avoir une évolution de ce système cardiaque. Cette évolution du système cardiaque, elle est résumée sur ce document. En effet, cette évolution du système cardiaque, elle va correspondre à une individualisation de cavités. Si on regarde ici le cœur de poisson, eh bien on s'aperçoit que l'on a un système très succinct où les cavités sont directement en interaction. On a le sinus veineux, qui est à l'origine de l'activité électrique et contractile cardiaque. L'oreillette, directement en contact avec le ventricule, directement en contact avec le cône artériel et donc la circulation. On n'a pas réellement de séparation au niveau de cette pompe musculaire. Si on regarde ce qui se passe au niveau des amphibiens, eh bien on va arriver à un système déjà un petit peu plus évolué, si je puis dire, où on va avoir différentes cavités qui vont s'individualiser, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et ici, le ventricule. On voit ici que le ventricule est unique, et on voit que, on ne voit pas, mais on devrait voir ici qu'on a un autre élément qui est le sinus veineux, qui est indépendant des oreillettes. Ce sinus veineux est toujours responsable de l'autorythmicité électrique et contractile cardiaque. Alors, ce système est un peu plus compliqué que chez le poisson, mais on a un moindre cloisonnement, car on n'a pas la même nécessité d'oxygénation et les mêmes circulations que chez des organes, chez des animaux supérieurs. Alors, si on regarde ce qui se passe chez les mammifères, on voit qu'on va arriver avec un système beaucoup plus cloisonné. On a une oreillette droite, on a un ventricule droit, et cette pompe est séparée du ventricule gauche et de l'oreillette gauche. On voit qu'ici,
le cloisonnement et les cavités sont beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que l'on va avoir deux circulations différentes. Une circulation pulmonaire qui part de droite et qui arrive à l'oreillette gauche, et une circulation générale qui part de ventricule gauche et qui revient dans l'oreillette droite. C'est ce qui explique cette évolution du système circulatoire. On a nécessité de séparer une circulation qui va permettre les échanges gazeux et une circulation qui va apporter, en particulier cet oxygène, à l'ensemble des organes de la périphérie. Et donc nous, ce que l'on va considérer, c'est bien sûr le cœur dans son évolution, on va dire, ultime, sans employer les grands mots, c'est-à-dire le cœur de mammifère. Et donc, on va passer à deux, grand 2, anatomie du cœur. Alors, le cœur, comme chacun le sait, se trouve dans la cavité thoracique. Vous l'avez ici en violacé. Il est bordé par les poumons. Il est contenu dans un sac fibreux, dont on va reparler, qui s'appelle le péricarde. Et il est protégé par cette cage thoracique, et en particulier le sternum que vous avez ici. Cette cage thoracique, je vous rappelle, est délimitée dans sa partie inférieure, ici, en grisé, par le diaphragme, avec un E en français. Alors, le cœur n'est pas libre dans la cavité thoracique, bien évidemment. Et évidemment, il est relié aux vaisseaux qui vont permettre la distribution dans le système circulatoire. Mais il est également contenu dans un péritoine viscéral que l'on appelle le péricarde. Et donc, 2A, le péricarde. Alors, le péricarde peut être considéré dans un premier temps comme un sac qui contient le cœur, un sac qui s'ancre à la tunique externe des vaisseaux. Des vaisseaux qui sortent du cœur. Mais le péricarde n'est pas un simple sac protecteur. Ce péricarde est en fait composé de plusieurs tuniques, plusieurs couches. La première couche correspond à la couche externe, pardon, que vous avez ici, qui correspond au péricarde séreux, fibreux, pardon, excusez-moi. Donc la première couche externe, le péricarde fibreux. Alors, ce tissu, ce péricarde fibreux, à quoi il correspond ? Il correspond à du tissu conjonctif fibreux. Et ce péricarde fibreux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'ancre, il s'accroche, il se prolonge, c'est mieux, par la séreuse externe des vaisseaux. Ce péricarde fibreux, il a un simple rôle protecteur. Il sépare le cœur des structures environnantes.
et en particulier des poumons. La deuxième couche de ce péricarde correspond au péricarde séreux, en vert ici. Ce péricarde séreux se distingue en un feuillet pariétal externe, que vous avez ici, et un feuillet pariétal interne, que l'on appelle encore feuillet viscéral. Un feuillet pariétal externe et un feuillet interne viscéral. Ces deux péricardes séreux sont accolés respectivement au péricarde fibreux et à l'épicarde. Ce péricarde séreux est divisé en deux par une cavité que vous avez ici, qui est la cavité péricardique, qui est remplie de liquide, le liquide péricardique. Ce liquide péricardique est un milieu ionique en isosmolarité avec le milieu intérieur. Si le péricarde fibreux a un simple rôle de protection, le péricarde séreux va jouer un rôle très important physiologiquement dans l'activité contractile du cœur. Comme nous le verrons plus tard, le cœur est doué d'autorythmicité et donc va se contracter de façon automatique. S'il est en contact avec des structures environnantes, eh bien, lors de cette activité contractile, le cœur va se frotter à ces structures environnantes. Et donc, on va avoir des problèmes de friction. Ces frictions, par définition, elles vont être à l'origine de phénomènes d'arythmie et d'excitabilité. Si vous prenez une cellule excitable, par exemple, vous avez des corpuscules sensible au niveau de la peau, si vous appuyez, eh bien vous allez sentir ce pincement. Vous avez donc une excitabilité. Eh bien, vous avez la même chose au niveau du cœur, qui est une structure excitable. Si vous prenez un cœur et si vous piquez, eh bien vous allez provoquer localement une activité électrique qui sera à l'origine d'une arythmie. Donc, il faut éviter toute friction lorsque le cœur se contracte. Eh bien, le feuillet séreux et la cavité péricardique vont éviter cette friction. En effet, lorsque le cœur se contracte, du fait de la présence de la cavité péricardique, à aucun moment il ne va y avoir frottement entre le cœur et les structures environnantes. Donc, rôle physiologique important du péricarde séreux dans le déroulement de l'activité contractile du cœur. Alors, on peut avoir des dysfonctionnements de ce système lors de certaines inflammations bactériennes. Lors de certaines inflammations bactériennes, on peut avoir une infection de ce liquide péricardique. On parle de péricardite. Lors de la péricardite, qu'est-ce qui se passe? On a une infection bactérienne qui va donc contaminer le péricarde et la cavité péricardique.
On va de ce fait avoir une augmentation de l'osmolarité du liquide péricardique. Et du coup, ce liquide péricardique va appuyer sur le feuillet viscéral. Et donc, ça va entraîner des problèmes de friction et ça va gêner l'activité contractile du cœur. Alors, on voit encore ici donc le feuillet externe, le feuillet pariétal. On voit ici la cavité péricardique. Et on a ici le péricarde viscéral. La paroi même du cœur, elle va être constituée de trois tuniques qui sont respectivement l'épicarde, qui est accolé au péricarde viscéral, alors cet épicarde, c'est un mésothélium, qu'on voit mieux sur ce document-là, et du tissu conjonctif. Mésothélium, ici, et tissu conjonctif. Donc une couche très fine, c'est une simple couche protectrice qui sépare finalement le cœur des structures environnantes. La deuxième couche est très épaisse et est une couche principalement musculaire. C'est ce qu'on appelle le myocarde. Le myocarde est donc la partie fonctionnelle, si on veut, entre guillemets, du cœur. Elle comporte les cellules contractiles, les cellules à l'origine de l'autorythmicité cardiaque, qu'on appelle tissu connecteur, donc, tissu connecteur, donc tissu contractile, tissu connecteur, donc, qui est à l'origine de l'autorythmicité cardiaque. On a également des fibroblastes et toute une matrice de collagène qu'on appelle le squelette fibreux du cœur. Dernière couche de cette structure cardiaque, cette couche en noir ici, qui est l'endocardium, l'endocarde. Cet endocarde est constitué d'une fine couche de tissu conjonctif et d'un épithélium, d'un endothélium, pardon. Donc une fine couche de tissu conjonctif et un endothélium. Cet endothélium tapisse les cavités, comme on le voit ici, et est en continuité avec l'endothélium des vaisseaux. On parlera plus tard. Sur ce, donc l'endocardium, l'endocarde, avec ici ce tissu conjonctif, ce que vous avez ici, et cet endothélium, ces cellules endothéliales que vous avez là. Et donc, ces cellules endothéliales
sont en prolongement des cellules endothéliales, des vaisseaux dont on parlera plus tard. Cet endothélium va jouer un rôle important en évitant des phénomènes de friction entre le sang circulant et la paroi cardiaque. Donc cet endothélium va éviter les problèmes de friction entre le sang circulant et la paroi cardiaque, donc un rôle dans les propriétés d'écoulement des liquides. Donc on voit que les cellules contractiles vont composer le plus gros volume du cœur, ce volume qui correspond au myocarde. Et donc, nous allons voir quelques éléments de la cellule cardiaque en 2B. Alors, si on regarde la structure du myocarde, eh bien, on va voir ce type d'image. C'est-à-dire qu'on va voir que la structure du myocarde est composée de trabécules formées de cellules cardiaques qui sont en contact entre elles. Vous avez ici une trabécule, ici une autre trabécule. Et donc, ces trabécules sont composées de cellules, si vous en avez une, ici vous en avez une deuxième. Là, vous en avez une troisième. Là, vous en avez une quatrième. Donc, ce sont des cellules qui vont former ces trabécules, qui sont en fait des faisceaux musculaires. Le myocarde va contenir deux types de cellules musculaires. Des cellules musculaires contractiles, va correspondre à la plus grosse masse, c'est la population la plus importante, et des cellules musculaires dites cardionectrices ou nodales. J'aime autant nodales. Donc, cellule nodale. Alors, les cellules musculaires contractiles, donc comme je vous l'ai dit, c'est la majorité, elles vont être à l'origine de l'activité contractile du cœur et elles vont se contracter de façon spontanée, comme on le verra plus tard. C'est elles qui vont être à l'origine du développement de la force. Les cellules musculaires cardionectrices, ou encore nodales, les cellules musculaires nodales, sont des cellules qui sont plus particulièrement responsables de l'autorythmicité cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorythmicité cardiaque? On en reparlera. C'est le fait que le cœur est capable de produire son excitabilité et donc de se contracter seul, sans stimulation par le système nerveux. Si vous voulez produire une force avec votre muscle, eh bien, vous voyez que si je ne bouge pas, je ne vais rien produire. Il faut que je commande à ma main un mouvement. Ce mouvement, il va engendrer, cette commande nerveuse, elle va engendrer un phénomène électrique, qu'on appelle potentiel d'action, qui va engendrer cette activité contractile. Le cœur n'a pas besoin de cette commande consciente. Le cœur a une activité pacemaker, et donc il va développer son autorythmicité. On verra des images beaucoup plus tard. Et donc le tissu qui est responsable de cette autorythmicité, c'est le tissu nodal. Et donc ce sont des cellules musculaires, j'insiste, mais qui ont des propriétés spécifiques
qui font que ces cellules vont pouvoir créer cette excitabilité et puis la propager. Alors ces cellules, elles vont être associées sous forme de réseau et vont également former des amas qu'on appelle des nœuds. On aura donc des faisceaux cardionecteurs et des nœuds cardionecteurs. Alors la cellule cardiaque contractile, vous en avez une illustration tout en haut, c'est une cellule qui est vaguement rectangulaire, même si les terminaisons sont en forme d'escalier. Ce sont des cellules mononucléées. Des cellules de l'ordre de 100 micromètres dans le ventricule pour 50 micromètres de large et de 50 micromètres de long dans les oreillettes pour environ 20 micromètres de large. Donc les cellules des oreillettes sont plus petites que les cellules que l'on va trouver au niveau des ventricules. Ici, vous avez un amas de cellules isolées par des techniques enzymatiques. Là, on a une cellule. Là, on a une deuxième cellule. Là, on a une troisième cellule. Donc, vous voyez que la terminaison est en forme d'escalier. Quatrième cellule. Et là, on a une cinquième cellule. Et j'ai un message. Les tailles. Alors, les tailles, c'est 100 micromètres pour une cellule ventriculaire. Sur environ 40-50 micromètres de large. Et pour une cellule auriculaire, c'est 50 micromètres de long pour environ 25 micromètres de large. Alors ces cellules, elles sont mononucléées, comme on le voit ici, si vous voyez bien le noyau. On le distingue ici pour quelqu'un qui s'y connaît un peu. On le voit un peu ici. Donc, ce sont des cellules mononucléées. L'autre particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont striées. Vous voyez, ici, on a une striation assez régulière. Et donc, le muscle cardiaque fait partie de la famille des muscles striés. Au même titre que le muscle squelettique. Ici, vous avez une fibre de muscle squelettique. La cellule musculaire squelettique est une très grande cellule de plusieurs centimètres. Et par contre, c'est une cellule qui est plurinucléée, comme vous le voyez ici. Ici, vous avez une cellule musculaire lisse. On en reparlera au moment des vaisseaux. Alors, si on regarde les cellules musculaires cardionectrices, eh bien, vous en avez une illustration ici pour une cellule sinusale. Ce sont des cellules qui ne vont pas présenter une striation très régulière. Ça dépend des régions. Mais dans les nœuds, les cellules ne vont pas présenter une striation régulière. Les cellules sont plus fusiformes. Elles sont plus petites. C'est de l'ordre de 50 micromètres de long et 20 micromètres, 10-20 micromètres de large. Alors, si on regarde les cellules musculaires cardiaques, ce sont des cellules qui vont présenter une striation régulière, qui présentent de nombreuses mitochondries, que vous avez ici, qui sont interconnectées entre elles, comme on le voit ici, 1, 2, 3, 1, 2, on voit l'interconnexion ici. Et cette interconnexion correspond à ce que l'on appelle le disque intercalaire.
Alors, le disque intercalaire, qu'est-ce que c'est? C'est cette région d'interconnexion entre les cellules cardiaques que vous avez ici, en forme d'escalier. Lorsqu'on regarde le volume cellulaire, il est rempli à 80% de protéines contractiles. Et ces protéines contractiles sont agencées sous la forme de myofibrilles. Pas ma palette graphique, je suis dans mon labo, donc je suis désolé si j'écris mal, mais je ne peux pas faire mieux avec la souris. Donc les myofibrilles. Donc ces myofibrilles sont constituées par les protéines contractiles motrices à l'origine de la contraction. On va le voir mieux ici. Vous avez cette cellule, donc ici vous avez la membrane externe, le sarcolemme. Là, vous avez les mitochondries en rouge. Et ici, vous avez donc les protéines contractiles qui sont agencées sous forme de myofibrilles. Une myofibrille 2, 3, 4 et 5. Ces myofibrilles sont constituées des filaments fins, des fin filaments, donc des filaments fins d'actine, des filaments épais, thick filaments. Donc des filaments épais de myosine. Et l'agencement de ces filaments fins et de ces filaments épais va former des bandes dites isotropes ou claires et anisotropes ou foncées. Donc, bande I, isotrope. Bande A, anisotrope. Alors, c'est tout simplement des propriétés de diffraction de la lumière. Isotrope, c'est clair, donc ça ne diffracte pas. Anisotrope, ça diffracte la lumière, donc c'est foncé. Cet agencement va délimiter des structures individuelles que l'on appelle sarcomères. Ici. Et un sarcomère, c'est entre deux bandes Z. Le sarcomère, c'est la plus petite unité fonctionnelle contractile. C'est le raccourcissement de ce sarcomère par interaction actine-myosine. Donc ce raccourcissement qui est dû à l'interaction actine-myosine qui va permettre la contraction. Et le raccourcissement cellulaire. Dans ces cellules, on va trouver également un réticulum endoplasmique, ici en rose, particulièrement développé. C'est le... Je peux répéter. Yes, I can. Donc, c'est l'interaction entre l'actine et la myosine, donc des fines filaments et des thick filaments. Le glissement de ces filaments, finalement, qui va entraîner le raccourcissement des sarcomères. Donc les bandes Z vont se rapprocher. Ça, c'est les bandes Z. Ça. Et c'est ce raccourcissement des sarcomères qui va permettre donc le raccourcissement de la cellule et donc la contraction. Vous verrez ce mécanisme de façon très précise l'année prochaine en physio-cellule.
Donc, je disais que vous avez un réticulum endoplasmique ici en rose qui est particulièrement développé. Ce réticulum endoplasmique, c'est le stock de calcium nécessaire à la contraction. Ce réticulum endoplasmique comporte du réticulum endoplasmique longitudinal et des régions terminales plus ou moins accolées avec des invaginations de la membrane. Ici, vous avez la membrane qui s'invagine. Là aussi. Donc, vous avez un accolement entre le réticulum endoplasmique et des invaginations de la membrane qu'on appelle système tubule transverse, le tubule T. Le réticulum endoplasmique est parallèle au sarcomère. Vous avez ici un sarcomère, ici vous en avez un autre. Et donc on parle de réticulum sarcoplasmique. Alors l'arrangement entre le réticulum sarcoplasmique et le système tubulté est moins précis, moins organisé que dans le muscle strié squelettique. On en dit beaucoup moins qu'avant. Si on regarde dans le muscle squelettique, on va voir ce que l'on appelle les triades. Triade, c'est cette association du système tubulté, donc cette invagination de la membrane, pardon, et des systèmes terminales du réticulum sarcoplasmique que vous avez ici. Et vous verrez l'année prochaine que c'est à ce niveau que l'activité électrique va être transformée en une libération de calcium qui va entraîner la contraction. Ce qu'on voyait précisément avant. Dans le cœur, on a un système, donc on a un système tubulté, moins développé que dans le muscle strié. Et si on regarde le réticulum endoplasmique, on n'a pas des citernes terminales, enfin sarcoplasmiques, on a des espèces d'accolement comme ça. Voilà. Donc là, on a le système tubulté. Et là, on a le réticulum sarcoplasmique. Donc on n'a pas la même structuration. Et ça, ça va être d'importance, puisqu'en fait, on ne va pas avoir d'interaction directe ici. C'est-à-dire que le calcium, il va provenir du milieu extérieur. Je ne sais plus si on en parle après ou pas. Je sais qu'on a tout changé, donc je ne sais plus. Et ça va entraîner la libération des stocks internes en calcium, ce qui va entraîner la contraction. Donc quelque chose de très différent. L'origine de la contraction est la même chose dans tous les muscles, c'est le calcium. Mais l'origine du calcium, vous voyez, ce n'est pas la même. Ici, ça vient du milieu externe qui libère le calcium qui est là. Et là, le calcium, il provient également des stocks internes, mais c'est ça qui va provoquer la libération des stocks internes. C'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction.
Ok, donc là c'est le muscle squelettique. Et là, c'est le muscle cardiaque. All right. Donc deux systèmes différents et deux structurations différentes. Voilà donc pour ça. Alors si on regarde les disques intercalaires, eh bien on va trouver dans la région des disques intercalaires des plaques jonctionnelles. Vous avez ici, là c'est la membrane entre deux cellules. Vous voyez qu'on voit des plaques jonctionnelles qu'on appelle jonction communicante ou jonction gap. Donc au niveau des disques intercalaires, on va voir des plaques jonctionnelles ou jonction communicante ou jonction gap. Alors, ces plaques jonctionnelles sont formées de particules, comme vous le voyez ici. Et ces particules, comme le montre ce schéma, sont en fait des canaux intercellulaires. Et ces canaux intercellulaires vont permettre l'interconnexion entre les cytosols de la cellule 1 et de la cellule 2. Alors, un canal intercellulaire est composé de deux hémicanales, un hémicanal cellule 1, un hémicanal cellule 2. Et cet hémicanal, c'est ce qu'on appelle un connexon. Et un connexon, c'est un hexamère de protéines, donc 6 protéines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces protéines, c'est ce qu'on appelle des connexines, avec un E en français. Qui veut dire que ces canaux c'est donc donc un canal c'est deux connexions et un connexon, c'est 6 connexions. Alors ces canaux vont laisser passer les petites molécules et en particulier les ions. J'aurais dû rester sur mon tableau. Oups. Donc ces canaux laissent passer les ions et donc ils laissent passer les charges. Et donc ces canaux sont le support de la conduction de l'excitabilité. Si vous avez une excitabilité ici. Eh bien ces charges plus portées par les ions vont pouvoir aller dans cette cellule qui va pouvoir à son tour déclencher une activité électrique. Comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. On en reparlera très succinctement. Et vous le verrez de façon beaucoup plus complète l'année prochaine. Donc, retenir que ces canaux intercellulaires ils permettent la propagation de l'activité électrique dans le cœur. Pardon. Et cette propagation, elle va être unidirectionnelle. Pourquoi elle va être unidirectionnelle?
pas, on pourrait très bien, vous avez d'autres cellules. Hein. Cette activité, elle pourrait aller là, elle pourrait aller là, elle pourrait revenir là. Ce qui serait très mauvais, c'est ce qu'on appelle des réentrées, c'est ce qui est à l'origine des arythmies, dans certaines conditions. Eh bien, ce n'est pas ce qui va se faire, ça va être unidirectionnel. Et pourquoi la conduction va être unidirectionnelle? La conduction va être unidirectionnelle parce que si on marque ici avec des anticorps la localisation de ces connexines, vous voyez que ces connexines, elles ne sont que au niveau des disques intercalaires. Vous n'avez rien ici au niveau longitudinal. Donc l'activité électrique, lorsqu'elle est ici, elle est obligée de continuer son chemin comme ça. En aucun cas, elle peut aller là, là, là. C'est ce qui va permettre donc une contraction efficace et sans arythmie du cœur. Alors, le cœur est capable d'exprimer plusieurs connexines. La principale, c'est la connexine 43 qu'on trouve dans le tissu contractile. C'est ce que vous avez ici. C'est ce que vous avez ici. Là, vous avez la cloison entre les deux ventricules. Là, vous voyez, vous avez une forte expression de connexine 43 dans l'IVS, c'est-à-dire interventricular septum. Le septum interventriculaire. Là, vous avez la cavité. La deuxième connexine qui est très exprimée, c'est la connexine 40. Et ici, dans le tissu contractile, j'ai pas très peu de marquage. Ici. Par contre, cette connexine 40, elle va être très exprimée dans le tissu connecteur. Donc, la connexine 43... C'est la connexine du tissu contractile. Et la connexine 40, c'est la connexine du tissu nodal. En particulier du tissu nodal conducteur. Or, un hémicanal connexine 43 ne forme pas un canal fonctionnel avec une connexine 40. Ça va permettre de séparer le tissu contractile du tissu conducteur. Le tissu conducteur donc, exprime la connexine 40. Le tissu contractile, la connexine 43... Ça ne forme pas des canaux fonctionnels, donc ça va permettre de séparer le tissu contractile du tissu conducteur, sauf au niveau des cellules minces de Purkinje. Car ces cellules de Purkinje, elles expriment de la connexine 43 et de la connexine 40. Donc elles vont être distributrices de l'activité électrique. On le verra plus tard. Ok. Et donc, on va arriver à l'ultrastructure contractile de C. Donc, ultrastructure contractile. Alors, le cœur, c'est quatre cavités de mammifères, bien évidemment. C'est-à-dire deux cavités auriculaires, droite et gauche, et deux cavités ventriculaires, ventricule droit et gauche. Donc deux cavités. On va donc avoir également deux cavités droites, oreillette droite, ventricule droit, deux gauche, oreillette gauche, ventricule gauche, ce qui veut dire qu'on a deux pompes. Une pompe droite et une pompe gauche. Ces deux pompes sont en série car elles sont reliées d'une part par la circulation générale qui part de l'aorte et qui revient aux veines caves
Et elles sont reliées via la circulation pulmonaire qui part ici et qui revient à l'oreillette gauche. Donc finalement, ces deux pompes sont en série au niveau de la circulation sanguine. On parle du cœur droit et du cœur gauche. Alors, comment sont formées ces cavités ? Alors, faut pas considérer que les fibres et que les faisceaux musculaires forment des faisceaux comme ça, bien droits, bien parallèles à la nord-coréenne. Non, ces faisceaux, en fait, vont s'entrelacer. C'est plus romantique. Donc, ces faisceaux, vous les avez ici. Ici, vous avez le faisceau bulbo-spiral superficiel. Et donc, si vous regardez ces faisceaux, vous voyez que ces faisceaux, en fait, ils s'entrelacent. Et c'est comme ça qu'ils vont former des cavités. Ils vont délimiter des cavités en s'entrelaçant comme ça. D'accord. Alors, parallèlement à ces faisceaux musculaires, on va avoir des faisceaux de collagène. C'est ce qu'on appelle le squelette fibreux du cœur. Et ce squelette fibreux du cœur, il va jouer un rôle fondamental dans les propriétés d'élasticité du cœur. Donc, il faut considérer qu'on a ces faisceaux musculaires, mais parallèlement à ces faisceaux musculaires, autour de ces cellules et de ces faisceaux musculaires, on va avoir des fibres de collagène. Et donc, c'est ce qu'on appelle le squelette fibreux du cœur. Et donc, ce squelette fibreux joue un rôle fondamental dans les propriétés élastiques du cœur. D'ailleurs, ce collagène, il peut être modifié dans certaines pathologies cardiaques, ce qui va modifier l'élasticité et donc les forces produites par le cœur. Alors, le cœur, c'est une pompe de circulation. L'oreillette droite va recevoir la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, qui ramènent au cœur donc, les éléments de circulation périphériques. L'artère pulmonaire va partir du ventricule droit, donc là on ne le voit pas très bien, ce schéma n'est pas très très bon, j'aurais dû laisser celui que j'avais avant. Donc, ici vous avez donc les veines caves. Là, vous avez l'artère pulmonaire donc, qui part du ventricule droit. Les veines pulmonaires, au nombre de 4, vont revenir dans l'oreillette gauche. Et l'aorte part du cœur à partir du ventricule gauche et va aller irriguer la circulation globale. Avec un autre schéma, je changerai ces schémas-là. C'est pas bon. J'ai pris les schémas de mon collègue. Tout le monde a à peu près le même diaporama désormais. Donc, si je fais un schéma plus global, ah, j'ai donc l'aorte qui part du ventricule gauche. Le sang va revenir dans l'oreillette droite via la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Et le sang va partir du ventricule droit dans le système pulmonaire, par l'artère pulmonaire, et revenir oxygéné dans l'oreillette gauche, avec 4 veines.
l'apnée, c'est l'endoventricule ici, et bien, il va. Donc c'est comme ça que vous voyez bien qu'on a bien deux pompes en série. Et là, on peut simplifier ce schéma. J'aurais pu faire un schéma comme ça. Voilà. Alors, si on regarde cette structure, donc cette structure formée par les faisceaux musculaires, qui délimite donc ces quatre cavités, on voit que les cavités sont séparées par des cloisons interauriculaires et interventriculaires. On appelle encore septum. Le ventricule droit va propulser le sang dans les poumons, petite circulation, alors que le ventricule gauche va propulser le sang dans la circulation générale, une grande circulation. Et donc la paroi du ventricule gauche est beaucoup plus épaisse, car il faut beaucoup plus de force que la paroi du ventricule droit. Les oreillettes propulsent le sang dans les ventricules, donc la paroi de ces oreillettes est beaucoup plus fine, que la paroi des ventricules. À noter qu'au niveau de la cloison interauriculaire, ici, on va trouver une dépression qu'on appelle la fosse ovale. Qui est un vestige, une réminiscence, de la communication entre les deux oreillettes. Qui existe chez le fœtus. Dans le fœtus, on a une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la circulation pulmonaire est non fonctionnelle chez le fœtus et l'oxygénation se fait au niveau de la barrière placentaire. C'est au niveau de cette zone placentaire que l'on va voir cette oxygénation du sang. Donc le sang revient oxygéné dans l'oreillette droite et peut passer directement dans la circulation générale. À la naissance, la circulation pulmonaire va prendre toute sa fonction. Et donc cette fosse ovale va s'obturer par une membrane, comme un clapet. Et donc, on n'aura plus communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Alors, on peut avoir un dysfonctionnement ici lors de cette fermeture de la fosse ovale. C'est ce qui correspond chez le nouveau-né à la maladie bleue. Tout simplement parce que du sang non oxygéné vient dans l'oreillette gauche, est propulsé dans la circulation générale. Et donc, on va avoir des tissus un peu cyanosés.
OK. Ah non, je n'ai pas tout dit. L'autre chose, c'est que les faisceaux musculaires vont également émerger dans les cavités ventriculaires. C'est ce que l'on voit ici. On peut s'imaginer les faisceaux qui s'entrelacent et qui, là, ressortent dans la cavité. C'est ce qui va former ce que l'on appelle les piliers, ici, ou muscles papillaires. Ah, c'est pas vrai. Pilier qu'on appelle encore muscle papillaire. Aïe. Muscle papillaire. Que vous avez donc ici. Ces muscles papillaires ou piliers sont surmontés de cordages tendineux. Vous avez ici. Ces cordages tendineux sont rattachés aux valves auriculo-ventriculaires. Ces cordages tendineux sont rattachés aux valves auriculo-ventriculaires dont on va parler maintenant. Et donc, on va passer à 2D, appareil valvulaire. Alors, les valvules sont des structures qui vont réguler le transit du sang entre les cavités. On va distinguer des valves auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire entre les oreillettes et les ventricules. On va distinguer des valves auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et les ventricules, et des valves sigmoïdes entre les cavités ventriculaires et les artères. Là, vous avez les valves auriculo-ventriculaires. Ici, vous avez les valves sigmoïdes à la sortie des ventricules, entre les ventricules et les artères. Au niveau valve auriculo-ventriculaire, on va distinguer la valve tricuspide à droite de la valve bicuspide ou valve mitrale à gauche. Donc, mitral, comme ça se prononce. Valve mitrale, qui est donc bicuspide. Donc, bicuspide ou mitrale à gauche. Et tricuspide à droite. Alors ici, il faut s'imaginer qu'on est dans l'oreillette. On regarde le cœur du dessus. Donc là, on est à droite et là, on est à gauche. Alors, tricuspide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend un E en français. Tricuspide, c'est trois facettes. Bicuspide, deux facettes. Donc ça n'a rien à voir avec Speedy Gonzalez. Ce n'est pas speed, comme je vois des fois sur des copies. Les valves sigmoïdes, entre les ventricules et les artères, sont constituées de trois valvules, 1, 2, 3, à concavité tournée vers le bas. Donc, trois valvules à concavité tournée vers le bas, on parle de valves semi-lunaires.
Monsieur? Oui. Excusez-moi de vous couper. La valve mitrale, c'est la bicuspide ou la tricuspide? Oui, c'est la bicuspide. D'accord, merci. Donc, valve sigmoïde ou valve avec trois valvules. Et donc, ces valves sont semi-lunaires avec une concavité vers le bas. Alors, le fonctionnement de ces valves est simplement mécanique, comme vous le montre ce schéma, enfin, cette animation ici. C'est-à-dire que la pression en amont provoque l'ouverture de la valve. La fermeture des valves va être différente entre les valves auriculo-ventriculaires et les valves sigmoïdes. En effet, la fermeture des valves auriculo-ventriculaires est assurée par les muscles papillaires. Alors que la fermeture des valves sigmoïdes est assurée par la concavité. Alors, je vais vous faire un schéma. Soit l'oreillette ici, le ventricule. On a donc les valves ici, auriculo-ventriculaires. On a vu qu'on avait les muscles papillaires ici et que ces muscles papillaires étaient rattachés à ces valves par les cordages tendineux. Lorsque la pression sanguine augmente dans l'oreillette, ça pousse sur les valves. Du coup, bien, les valves vont s'ouvrir. Je refais les muscles papillaires. Donc les valves vont s'ouvrir et le sang va s'écouler dans le ventricule. Si je n'avais pas de muscles papillaires, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les valves se colleraient à la paroi ici. D'accord. Et je ne pourrais plus avoir fermeture des valves. Là, ce qui va se passer, c'est que la pression augmente dans l'oreille, dans le ventricule, elle diminue donc dans l'oreillette, et donc cette pression, elle peut, grâce à la présence des muscles papillaires et des cordages tendineux, pousser sur ces valves qui vont se refermer. D'accord ? Donc, on voit que les piliers et les cordages tendineux permettent la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau des valves sigmoïdes, yes. Oui, bien sûr. Du fait qu'ils assurent la fermeture des valves, ils empêchent le reflux. D'accord ? Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça permet la fermeture des valves. Ça empêche que les valves, on dit s'éversent, c'est-à-dire se collent à la paroi lorsque le sang arrive. Et dans ce cas-là, ça ne pourrait plus se refermer. Ça maintient les valves dans cette position-là. Et donc, quand la pression monte, ça peut se refermer. Évidemment, ça empêche le reflux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les valves sigmoïdes? Pour les valves sigmoïdes, entre les artères et le ventricule,
Là, on n'a pas de muscle papillaire de cordage tendineux. Le son est donc dans le ventricule. La pression est forte. Elle appuie sur ses valves. Les valves vont s'ouvrir. Et le sang va dans la aorte. Une fois que le sang est ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le sang va pouvoir appuyer sur cette concavité ici. Et donc, c'est la concavité des valves qui va assurer la refermeture de ce système. D'accord? Donc, on voit que le facteur initial pour ouvrir les valves elles-mêmes, hein, c'est la pression sur les valves. Par contre, la fermeture des valves est différente. Pour les valves auriculo-ventriculaires, la fermeture est assurée par la présence des piliers et des cordages tendineux. Pour les valves sigmoïdes, c'est la concavité qui permet la fermeture des valves. Alors, ces valves, j'ai oublié de le dire, de quoi sont constituées ? Bien, ces valves, elles sont constituées de tissus élastiques et fibreux. Il n'y a pas de cellules musculaires dans ces valves. Et ces valves sont ancrées au mur, comme on le voit ici, au mur, ici, de la paroi du cœur. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. Et on verra que ça a son importance, car du fait que ce tissu fibreux élastique est ancré ici, là, entre cette région-là et là, entre cette région-là et là, là j'ai la valve, bien entre ces régions-là et ces régions-là, l'activité électrique ne peut pas être propagée. D'accord ? On verra ça tout à l'heure. Donc, tissu fibreux élastique, comme on le voit bien sur cette photo ou sur celle-ci. Alors, on peut avoir des pathologies des valves. La première, c'est un rétrécissement de la valve. La plupart, on parle de sténose. Donc, une sténose, c'est un rétrécissement de la valve. Si on a une sténose, donc un rétrécissement de la valve, si la valve initialement était comme ça, et si maintenant toute cette partie-là est rigide, vous voyez qu'il y a un rétrécissement de l'orifice, et bien ce rétrécissement va nécessiter plus de force pour faire passer le sang. Il faut que la force ici augmente. Donc cette sténose, elle va entraîner une hypertrophie. Et l'hypertrophie cardiaque, c'est un facteur favorable aux arythmies. Et à l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une contraction pas assez efficace. L'autre possibilité, c'est des fuites valvulaires. Donc, les fuites valvulaires. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des valves qui se referment de façon incomplète. Et si elle est fermée, bien, vous voyez que là, le sang, lorsqu'il est ici, peut refluer légèrement. Ben, ces fuites, elles vont nécessiter une force plus importante de la part de cette cavité. Donc, elles vont entraîner des phénomènes d'hypertrophie et donc elles vont avoir les mêmes conséquences, des problèmes d'arythmie et d'insuffisance cardiaque. Alors, on peut pallier ces problèmes de valves en remplaçant les valves, hein, puisqu'on a vu que c'était finalement très mécanique comme fonctionnement. Et donc, on peut remplacer les valves, soit à partir de donneurs,
soit en utilisant des valves obtenues par biotechnologie, ou en utilisant des valves de porc. Il faut savoir que le cœur de porc est très proche du cœur de l'homme. Donc maintenant, on utilise plutôt des valves de donneur ou des valves réalisées à partir de biotechnologie. Donc, on enlève l'ancienne, on recoue une nouvelle valve à la place. Donc, on va avoir un système tout à fait fonctionnel. Ça, c'était ce que je vous ai dit. OK. Donc là, c'est la conclusion. Vous voyez toutes les régions dont on a parlé. Veine cave supérieure, oreillette droite, valve pulmonaire, valve tricuspide, cordage tendineux, ventricule droit, pilier, veine cave inférieure, crosse aortique, tronc pulmonaire, oreillette gauche, valve aortique, valve mitrale à gauche, cordage tendineux, ventricule gauche, pilier, apex, là on a l'apex, c'est-à-dire le sommet du ventricule, et ici aorte. 2E, le tissu nodal. Alors le tissu nodal, c'est un tissu contractile, j'insiste. Même si les cellules sont moins spécialisées pour produire une force, c'est-à-dire qu'il y a moins de protéines contractiles, il y a moins de myofibrilles. Souvent, les cellules sont plus petites, plus fusiformes, mais ce sont des cellules contractiles. Et ces cellules, par contre, elles ont des propriétés spécifiques, des canaux ioniques spécifiques, qui leur permettent de produire une excitabilité, c'est-à-dire de produire une activité électrique. Alors ce tissu nodal, il est composé de plusieurs tissus, du nœud sinusal, du nœud auriculo-ventriculaire, du faisceau de His, des branches droite et gauche du faisceau de His, et du réseau de Purkinje. C'est un J ici. Nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His et fibre de Purkinje. Donc c'est un J, ING. Alors ce tissu nodal, on l'appelle encore système cardionecteur. Donc ce tissu est responsable de la production d'activité électrique, d'excitabilité. Et c'est cette excitabilité qui va se propager via les jonctions communicantes et provoquer la contraction cardiaque. Donc, nœud sinusal, j'ai oublié le tractus internodal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et les fibres de Purkinje. Alors, le nœud sinusal, on va le trouver donc dans l'oreillette droite, entre les arrivées des veines caves inférieures et supérieures. On l'appelle encore nœud de Keth et Flack. Ce sont les deux Américains qui l'ont découvert et mis en évidence. Le sinusal, ça me va très bien. Donc ça, je viens de le dire. C'est lui qui est à l'origine de l'excitabilité cardiaque. Alors, il a une fréquence propre de 100 activités par minute. Mais in situ, la fréquence est de 70 activités par minute. C'est-à-dire qu'il y a un frein vagal, il y a un frein parasympathique sur cette activité. On en reparlera. Cette activité, elle va se propager via les jonctions communicantes. Et dans l'oreillette, on va trouver des faisceaux plus ou moins individualisés. Si on regarde les oreillettes, on ne va pas voir très clairement des câbles comme ça, des sortes de câbles.
Mais on a des cellules qui sont plus spécialisées dans la propagation de cette activité électrique. Et c'est ce qu'on appelle le tractus internodal auriculaire, qui est composé d'un tractus antérieur, de Bachmann, vous avez ici, d'un tractus intermédiaire de Weckenbach, c'est celui-ci, et d'un tractus postérieur de Torel. Ce sont des voies préférentielles de propagation de l'activité électrique du nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire. Je crois que c'est l'heure, non ? Il me semble que c'est écart. C'est l'heure un peu bizarre. Hein, c'est ça, c'est écart. Hein, c'est 1h30 la durée. Vous me confirmez ? Alors, est-ce que les noms sont à connaître? Les noms propres ne sont pas ici à connaître. Bachmann, Weckenbach, Torel, Keff et Flack, je m'en fous un peu. Ce qui est important de savoir, c'est le nœud sinus, c'est le nœud sinusal et les tractus internodales. D'accord. Ok. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Et donc, on poursuivra lors du prochain cours. La semaine prochaine, on prendra donc la suite sur ce cours cardiaque. Et donc, je vous mettrai le lien qui donne accès à ce cours sur Moodle tout à l'heure. Ça marche comme ça ? Ok. Merci, puis bonne soirée. Et donc, à la prochaine fois. Bon courage. Au revoir.